Amine, c'est qui le tueur à la fin de la vidéo d'Inox Euh, bah je je, je. 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 Les gars, je vais vous dire honnêtement. Euh, Moi-même, je sais toujours pas. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que je me faisais courser par un malade. Hein. <laughs> moi, tout ce que j'ai retenu de la vidéo, c'est qu'il y a un cinglé qui me coursait. Euh, j'ai je... pas cherché. Moi, perso, quand il y a un mec qui me course avec un couteau, j'ai pas trop envie de savoir c'est qui. J'ai juste envie de cavale. Donc. Euh... Je vous dis la vérité, moi tout ce que j'ai retenu c'est que je, 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 je faisais que de courir. C'est Billy. Mais non, c'est pas Billy, la famille. Je vais vous apprendre une règle dans un film, enquête, mystère, tout ce que vous voulez. Les gars, le coupable d'un film ou d'un jeu ou d'une série, c'est forcément un personnage que vous avez vu pendant le film ou la série. Sinon, ça n'a aucun sens de faire pop euh, un personnage à la fin en tant que tueur ou responsable ou coupable ou tout ce que vous voulez. C'est nul à chier. Donc arrêtez de dire c'est Billy, c'est pas du tout Billy.